Installez-vous confortablement pour suivre la relaxation du jour. Fermez les yeux et prenez quelques secondes pour établir un premier contact avec vos émotions, les sensations dans votre corps, les tensions. Notez-les, mais ne vous jugez pas. Observez maintenant votre respiration. Si vous en ressentez le besoin, modifiez-la. Rendez-la plus profonde, progressivement. Sentez son parcours, l'air frais entre par le nez, passe par la gorge. Sentez la poitrine se lever à chaque inspiration et le ventre se gonfler. Puis le ventre chasse tout l'air qu'il contient et vous expirez un souffle chaud. Travaillez votre attention au souffle. Rendez votre respiration de plus en plus souple, de plus en plus ample. Observez ce temps entre l'inspire et l'expire, puis entre l'expire et l'inspire. La respiration est de plus en plus fluide et vous régénère en même temps qu'elle vous apaise. Essayez de ressentir ce cycle infini de respiration qui oxygène tout votre corps, qui vous apaise. Vous êtes prêt à utiliser la technique du body scan, une technique très simple de relaxation que vous pourrez utiliser tous les jours car elle est très efficace pour vous détendre et trouver le sommeil plus facilement. Vous allez essayer de détendre chaque partie de votre corps et je vais vous guider. Prenez une grande inspiration et sur l'expire, essayez de relaxer les orteils, de les relâcher. Puis le pied tout entier se détend. Laissez aller vos chevilles. Aidez-vous de la respiration pour détendre les mollets. Pour les sentir peser un peu plus vers le sol, comme attirés vers la terre. Laissez aller les genoux. Puis décontractez chaque muscle des cuisses. Tous les muscles à l'arrière des cuisses se relâchent. Tous les muscles à l'avant des cuisses se détendent. Décontractez les fessiers et ressentez maintenant le bassin qui se relâche sur le sol. Décontractez les fessiers et ressentez maintenant le bassin qui se relâche sur le sol. Le ventre qui se soulève et qui s'abaisse au rythme de vos inspires, de vos expires. Toute la cage thoracique prend davantage de place. Vous créez un grand espace pour faciliter votre respiration.
laissez votre dos se déposer, se relâcher complètement vers le sol. Toutes les tensions s'effacent. Les épaules se relaxent profondément. Vous laissez échapper tout le stress qui peut venir se loger dans les épaules, qui peut venir les contracter. Et vous êtes libre à présent de laisser vos bras tomber aussi vers le sol, se relâcher jusqu'au bout des doigts qui se décrispent. Vous pouvez déglutir si vous le souhaitez pour relâcher l'espace de la gorge. Détendez également l'espace de la nuque. Au besoin, la tête peut tomber d'un côté ou de l'autre. Et ici, vous laissez tomber le menton vers le sol. Les deux mâchoires s'écartent doucement. Vous décrispez les joues, vous desserrez les lèvres. Et ici, l'espace de la mâchoire est beaucoup moins tendu. Détendez les pommettes, le nez, les ailes du nez, l'espace sous les yeux. Paupières, les tempes, les sourcils et le point entre les deux sourcils. Puis doucement, vous venez lisser le front. Prenez conscience de votre corps en entier, dans sa totalité. Dans son unité relâchée et détendue. Vous êtes dans un état agréable de relaxation. Vous êtes profondément calme, profondément tranquille. Et vous laissez cette détente s'approfondir encore. Prendre quelques minutes par jour pour réaliser cet exercice peut être très bénéfique pour apaiser le mental, les tensions, mais aussi apprendre à se centrer sur son corps, lui qui nous parle sans cesse, mais que nous n'avons pas toujours appris à écouter. Au cours de votre introspection, vous avez peut-être senti une chaleur agréable au bout des doigts, très certainement une tension dans la mâchoire. Ces sensations, nous pouvons les consulter à chaque instant car elles sont toujours présentes. Notre cerveau reçoit en permanence ces informations. Poser notre conscience sur ces sensations permet alors d'agir sur elles, comme vous l'avez fait il y a quelques minutes de cela sur votre respiration, et comme vous le faites peut-être encore en ce moment même. Namaste.